Du coup, on va faire une tournée de Zénith à la rentrée en novembre. J'ai réalisé le clip et j'avais très envie de mettre surtout en avant la musique qu'on fait ensemble. C'était important. Donc, l'idée était de travailler sur un scopitone qui soit comme ça, très. Qui donne les codes un peu de l'univers de ce disque-là. Donc, y a une jungle dorée, y a des animaux de pacotille, des tigres et des panthères de pacotille, comme ça, en porcelaine ou en papier. On trouvait ça assez chouette d'être dans un univers comme ça, à la fois qui a quelque chose d'assez sauvage, sexy, en même temps totalement factice. On trouvait ça chouette. Et du coup, on essaie de reproduire le même type d'univers. Sur scène, on travaille avec des lumières, beaucoup de contre-jours, une jungle dorée, de fausses plantes, des animaux en papier. Ça nous plaît. Il y a quelque chose d'assez à la fois voluptueux et drôle. On est toujours surprise. À chaque concert, quand on joue devant une salle pleine, c'est toujours un espèce de petit miracle. Même si on le sait, on ne s'en lasse pas, on n'est pas du tout blasé. Et oui, c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, même quand tu me le dis, j'ai du mal à y croire. On fait deux dates à l'Olympia et c'est complet déjà depuis quelques mois. On ne peut pas tellement se dire que ce genre de choses est acquise, quoi, que c'est normal, c'est toujours un petit peu fou. Quand on fait ce genre de métier-là, on sait à quel point tout est fragile. Puis nous, on a vécu pas mal d'années de galère avant, donc on sait à quel point tout ça est fragile et tient à pas grand-chose. Donc oui, on est extrêmement surprise. Ah, j'ai chaud. Ah.